prochain jour qui vont venir, puisque ce sera en novembre, pour 15 jours, et ensuite, on va discuter, on va voir comment on s'organise. C'est une très bonne journée, un très bon séminaire. Surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions. Vous pouvez intervenir, vous pouvez la main, et vous avez la parole. C'est juste que nous faisons. Qu'est-ce que nous avons fait en réalité? Nous avons continué nos actions, comme d'habitude, à les renforcer. De façon spécifique, sauf qu'il y a deux activités qu'on n'a pas pu faire, notamment la construction de la digue du Pella qui était prévue. A contrario, c'est qu'on a fait des activités exceptionnelles, parce qu'il y a eu des icônes qui ont été victimes des aléas climatiques. C'est quand même une ONG qui existe depuis 2001 quand même, qui intervient au Burkina. Et les leviers de développement, on a pour ambition et comme objet global le progrès social des populations à travers une valeur essentielle, l'intérêt général. En 2001, nous avons travaillé beaucoup sur l'éducation qui a englobé autour de 80% de notre budget. Mais ça s'est fait comment? C'est le développement des instruments, mettre à la disposition du pouvoir public des infrastructures pour améliorer non seulement les conditions d'apprentissage des élèves, nous avons fait des logements aussi pour les enseignants. Outre cela, on a accompagné un peu dans le fonctionnement avec des apports en vivres. Quand on sait qu'il n'y a point d'éducation, si on a faim. La question des gens, on y intervient parce qu'on entretient quand même trois internats pour filles. Dans notre contexte, les filles sont le plus souvent déscolarisées à cause du contexte socio-culturel et économique. Elles sont en proie au mariage forcé, au grossesse précoce et voire même à des choix parentaux parce qu'à cause des conditions économiques, on préfère mettre les hommes à l'école que les filles qui s'occupent le plus souvent des travaux ménagers. On intervient aussi dans la santé pour permettre une meilleure prise en charge des malades. Soum, ils avaient construit un hangar pour garer l'ambulance, ils en prenaient soin de leur ambulance. On accompagne les paysans dans l'amélioration de leur potentiel, leur technique culturelle pour pouvoir faire de meilleures productions. L'année 2021, on a eu une année très mauvaise au niveau de la pluie. Elle avait bien démarré et les pluies sont arrêtées en août. Et donc là, catastrophique pour l'année 2021. Maintenant, au niveau des bibliothèques, c'est aussi un maillon de l'éducation quand on sait que c'est un outil pour permettre l'apprentissage d'avoir la langue française et l'écriture, et surtout de se cultiver davantage et puis d'avoir des résultats scolaires probants. C'est un endroit où on pense qu'on pourra développer aussi des événements, hein? Des événements comme du théâtre ou des expositions peut-être, je ne sais pas, je pense à ça tout de suite, du cinéma bien sûr aussi, hein, les projections. C'est une réussite, c'est clair. Tout ce qu'on a apporté aux enfants, surtout du point de vue de la scolarisation, aussi bien du point de vue des constructions d'écoles que du travail avec les parents d'élèves et tout ça, donc c'était très important de le faire. On essaye d'accompagner, bien sûr, le plus possible l'État, hein, dans sa tâche éducative. On s'aperçoit qu'il y a eu des grands progrès de fait dans notre région, en tous les cas. Mais il reste encore beaucoup à faire. On aimerait bien que le modèle qu'on a inspiré au niveau de notre région, le modèle Respublica, puisse se dupliquer dans d'autres régions. Alors, c'est pas si facile que ça, hein, parce qu'il faut beaucoup plus impliquer l'État. Et impliquer l'association. Et donc, pour ça, on a besoin de gens qui soient très, très motivés pour le faire. Mais en tous les cas, l'avenir de Respublica, voilà, c'est ouvert. Et peut-être qu'il y aura des gens qui voudront partir aussi après en Guinée, continuer au Burkina. Il y a tellement à faire qu'il faut beaucoup de courage pour faire tout ça. Et je souhaite bon vent à ceux qui vont me succéder. Merci beaucoup. All we've been through, I never give up on you. I never give up on you.